Bonjour à tous, mon nom c'est Gédéon Bomilongo Bobé, je suis ingénieur informaticien. Alors, je suis né le 6 octobre d'une certaine année, donc c'est à Mweka, donc le lieu de naissance. Alors, je suis originaire du Kasaï Central, plus précisément dans le village Nkinda, dans le secteur de Benalongo, dans les territoires de Mweka, district d'Ilebo, comme je le disais tout à l'heure, dans la province du Kasaï Central. Je suis ingénieur informaticien, mais tout initialement, mes études primaires, je les ai faites, c'était à la SNCC, où j'ai obtenu mon certificat d'études primaires. J'ai commencé les études secondaires au Collège de la Sagesse, où je n'ai pas pu finir. Et j'ai obtenu mon diplôme, finalement, à l'Institut Maranatha à Matadi. Et c'est en 2012 où j'ai commencé l'université à l'ISIPA Matadi. J'ai commencé le premier graduat en 2012, où j'ai évolué très bien, brillant. Alors, en 2017, j'ai fini par obtenir mon diplôme de licence avec une distinction à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, Matadi. Donc, après mes études universitaires, je me suis rendu à Kinshasa où je mène actuellement une carrière d'informaticien. Donc, pour dire que présentement, je suis informaticien. Alors, je suis né d'une famille de 9 personnes où je suis la 9e personne de ma famille, donc les cadets de ma famille. Alors, né du père Bopé Kwete Nimi et de la mère Matinga Pauline, donc des Rez Mémoire Ledé qui sont déjà décédés. Ma couleur préférée, c'est la couleur bleue. Alors, je dirais que j'ai toute une histoire avec cette couleur. La couleur bleue, c'est vraiment une charte graphique pour moi, si je peux le dire ainsi. En tant qu'informaticien, c'est vraiment une couleur que j'applique presque dans tout ce que je fais, comme développement des applications. C'est vraiment ma couleur vraiment préférée, la couleur bleue. Et mon plat préféré en tant qu'Emoulouba, mon plat préféré c'est les foufous. Donc j'aime bien manger les foufous, les pondo et les bitoyo, les makayabou. Mon support loisir. Voilà, je dirais que je ne suis pas vraiment trop fan de sport, je ne suis pas vraiment trop sportif. Mais le seul sport où je peux me donner ou regarder 30 heures du temps sans toutefois m'ennuyer, c'est le foot. Donc c'est le sport qui m'intéresse pas mal, donc le foot. Donc à part le foot, tout mon temps libre, les temps de loisirs, si je peux le dire, généralement c'est devant mon ordinateur que je les passe. Et c'est difficile d'ailleurs de dire que j'ai du temps libre. Donc, en tant qu'informaticien développeur, généralement, tout mon temps, je le passe toujours devant mon ordinateur dans le développement des applications. C'est ce que je suis en train de faire généralement en tant qu'informaticien. Mon acteur préféré, j'aime bien tout d'abord la série. J'aime bien la série La Casa de Papel. Donc c'est vraiment la série que j'aime bien. J'aime vraiment toutes les saisons de la série La Casa de Papel. Pardon. Et mon acteur préféré dans cette série, c'est le professeur. Donc c'est vraiment un acteur qui m'inspire, un acteur à chaque fois que je regarde cette série, ça m'inspire toujours. Bon, être inspiré, bien sûr, pas dans le mal, mais toujours dans le bon. Donc la série vraiment m'inspire, et plus précisément l'acteur, le professeur. La petite histoire romantique, la petite histoire d'amour avec celle que j'appelle la Malaïka pour moi, la fondée, Isabelle Nyati. Tout remonte tout d'abord à l'université, parce que déjà c'est
Elle fut tout d'abord mon collègue avant d'être actuellement ma chérie, avant d'être présentement mon amoureuse. Elle fut tout d'abord ma collègue avec qui j'ai fait l'université. On a passé à peu près 3 ans à l'ISIPA, donc où on a appris tout d'abord à se connaître avant d'être amouré. Elle était tout d'abord aussi une amie pour moi, donc on a eu à se connaître tout d'abord en tant que des amis. Alors c'est par la suite, quand je me suis rendu à Kinshasa, pendant que j'étais, je me suis senti cette fois-ci là prêt à pouvoir m'engager, à pouvoir être accompagné par une personne. C'est alors que je l'avais abordé. Cette fois-ci là, j'étais obligé de faire un déplacement de Kinshasa à Matadi. Pour pouvoir l'aborder, gloire à Dieu, que les choses s'étaient passées correctement. Donc, c'est par là qu'on a commencé notre histoire d'amour. Tout au début, c'était dans l'informel, dans l'anonymat, personne ne le savait, ce n'était qu'entre moi et elle. Par la suite, j'avais voulu officialiser donc, notre relation. C'est alors que j'avais profité le jour de son anniversaire. C'était, je pense, en 2019, le jour de son anniversaire, que j'avais fait une demande de manière officielle devant mes collègues, devant ses amis. Donc j'ai eu à la faire une demande de manière officielle. Alors, mais cette demande, ce n'était pas une demande pas comme toutes les autres demandes. C'était vraiment une demande spéciale, une demande à la hauteur de ce qu'elle est, à la hauteur d'une grande femme, à la hauteur d'une grande dame, à la hauteur de la fondée, à la hauteur de la malaïka, comme j'aime bien l'appeler. Donc, c'est par là que notre relation était maintenant connue. De tous, et par la suite comme les amis pouvaient maintenant nous connaître, comme ses amis, mes amis, nos collègues pouvaient maintenant connaître notre relation, j'avais voulu aussi, en homme logique, droit, j'avais voulu aussi me faire connaître auprès de sa famille. Donc cette année, au mois de juillet, donc le 3 juillet, j'ai eu à faire une présentation, disons l'après-dote, au niveau de sa famille. Et comme je l'avais promis que j'étais objectif, comme je l'avais promis que je devrais la marier, au mois de juillet, le 3 juillet, on a eu à faire la présentation. Et le Seigneur nous a aidés qu'aujourd'hui, j'ai tenu à ma parole et nous sommes passés à l'étape suivante, donc au mariage. Alors, j'aimerais aussi tout d'abord remercier, donc je dirais que le fait d'arriver jusqu'à ce niveau, le fait de tenir à cette parole, ce n'est pas de mes propres capacités, ce n'est pas, tout ne dépend pas de moi. Je tiens tout d'abord à remercier pleinement mon Dieu qui a permis que ces jours aient lieu, et aussi remercier grandement et du fond de mon cœur, toute ma famille, donc commençant par ma grande sœur, l'aînée Dada Angèle, pour la dire grand merci, donc à remercier aussi le grand frère Daniel Kouété et son épouse qui n'ont cessé aussi de me soutenir dans des conseils, et remercier aussi de plein cœur aussi le grand frère Bonomi Bopé et son épouse, tous mes grands frères qui sont aussi de loin, toutes les grandes sœurs qui n'ont cessé aussi de me soutenir dans ces processus par des conseils, par des prières. Et aussi grandement remercier aussi mon pasteur donc, et son épouse, le pasteur Élisée Kayembe, et son épouse Maman Rose, qui n'ont cessé aussi de me soutenir dans des prières, dans des conseils, qui ont vraiment joué pleinement leur rôle de pasteur, de parents aussi.
Donc, ils n'ont cessé de me soutenir dans des prières, dans des conseils, jusqu'à aujourd'hui, tenir à ma parole, donc marier Isabelle Niati. Je tiens aussi à remercier aussi ma belle famille qui se sont mobilisées pour la réussite de cet événement. Donc, grand merci à ma belle famille, particulièrement à Maman Miche, à Docteur Magloire et à toute la famille Maman Florence, donc ma belle-mère, donc, qui se sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Aussi, grand merci, grand merci à tous les invités présents dans cette salle. Donc, sans vous aussi, cet événement n'aura pas être ce qu'il est plutôt actuellement. Et aussi, grand merci à l'agence Belle Picture qui nous fournissent ces belles images en ces jours. Donc, où je vous recommande, les célibataires, pour votre futur mariage, de contacter cette agence pour vous fournir aussi des images de très belle qualité. À vous tous, merci.